Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du lourd, du très lourd, de la grosse guerre des ouvertures de portes de niveau 4 sur les plus gros impériums du jeu, le 1860, le 846, le 1093, les 1V, bref, les plus gros fighters sont au rendez-vous. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans des conditions pratiquement de live. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens et toute la communauté. Et là, au rendez-vous. D'ailleurs, on commence par une info qui a été rapportée sur le Discord de la chaîne. Regardez les amis, si on regarde le détail du mail de Lilith sur la nouvelle civilisation égyptienne, qu'est-ce qu'on remarque? New Epic Commander, on remarque que les commandants égyptiens qui arrivent seront pas légendaires, ils seront épiques. Donc Imhotep et Thoutmôsis III sont des commandants épiques, si on en croit ce qui est écrit dans le mail officiel de Lilith. C'est pas une info d'un joueur, c'est pas un prank, c'est pas quoi que ce soit, c'est pas photoshopé, c'est dans les infos officielles. Il semble que c'est des commandants épiques, et donc si c'est des commandants épiques, c'est clairement abusé parce que parce qu'on est déçu forcément. Même si on aime avoir des commandants épiques, ils pourraient au moins nous mettre un légendaire et un épique comme ils l'ont fait pour la civilisation viking. Un légendaire et un épique, sinon ils vont pas servir à grand chose au final. Ils vont prendre la poussière, on va les maxer tout de suite. Et ils seront éclatés après, ils sont peut-être au max pour des épiques, mais ça reste des épiques qui seront forcément moins bien que les légendaires. Au niveau des events, juste avant de regarder le KVK, n'oubliez pas la roue de la chance, faites-la, finissez-la. Normalement, elle est déjà finie pour tout le monde sur les serveurs, sauf si vous avez eu un bug et un décalage. Et surtout, n'oubliez pas la taverne légendaire, on garde ses clés pour les faire par paquet de 10, toujours par paquet de 10, c'est ce qui est le plus rentable. Je vais vous faire une petite ouverture à 10 des familles, ça fait plaisir. Et on va foncer à présent, est-ce que j'ai un bon tirage? Un tirage 4 sculptures, c'est pas mal du tout. Allez, on fonce tout de suite sur le KVK. On va d'abord aller voir celui où il y a le moins de fight pour le moment. Mon KVK, bientôt, très bientôt, du gros fight, les ouvertures de portes de niveau 6. Alors, je vais vous montrer ça avant d'aller voir les autres KVK. Les ouvertures de portes niveau 6 qui sont ici. Regardez, je me suis placé tranquillement ici. Je me suis mis bien. Je serai pas trop loin pour la porte. Eh bien, regardez les ouvertures de portes. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, les portes seront ouvertes 17h20. Ah non, pardon, elles ne seront pas encore ouvertes. C'est lundi et pas demain. Lundi 17h20, l'ouverture des portes. Donc dans 4 jours, c'est le jour du patch. Je vais vous faire un record bien évidemment de cette ouverture. Ça va être très très lourd. Et regardez qui est aux premières loges, qui est déjà là comme un affamé, comme un mort de faim, prêt à venir en découdre et se fighter. C'est notre ami Kevin, Kevin Vest Viper, un modérateur sur le Discord. Il est déjà là, le mec est toujours là, toujours au top, au rendez-vous. Allez, on fonce, on va commencer par le KVK du 1846, les amis. Vous allez le voir, on se retrouve avec le 1846 en bas à droite, le 1365 en haut à gauche, et entre les deux, le 1044 qui est repassé Imperium, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Regardons, normalement, les teams, elles sont assez simples. On a le 1365 qui est là, qui est allié avec ce serveur-là juste en dessous de lui, donc c'est sûr, il n'y a pas de combat. Ce serveur-là également, et il est allié aussi avec celui-là. Donc, non, il n'est pas allié avec celui-là, il est ennemi avec celui-là, il est allié avec celui-là. Donc forcément, la seule zone de fight pour le 1365, les GST, c'est ici d'ailleurs, regardez la puissance des GST, les mecs sont bien vénères, ils sont à 15 milliards, leur coalition 15, 13, 8, un petit peu faible, la dernière. Et donc, leurs adversaires, eh bien, ils ont tenté de poser des forteresses, on n'est pas encore au niveau du 1093
ou du 1412, hein, la bise à toi, Diego, pour du Rise of Fortress. Et regardez, hein, ça brûle bien évidemment. Ils n'ont aucune chance. Ils ont essayé de jouer la montre, hein, mais ils ne sont pas assez puissants pour résister sur toutes les positions. Ça brûle. Leurs adversaires au 1365, hein, ne sont pas là ou quasiment pas là. En tout cas, ils sont bien déboîtés. Là où on va avoir du fight, donc ce n'est pas sur cette zone-là. Regardez, les mecs, ils sont entre eux. Hein. Là, ces deux alliés. Les mecs n'ont même pas pris les portes. Les portes ont ouvertes depuis quelques heures. Évidemment, ça fera une journée quand vous verrez cette vidéo. Mais là, ça fait que quelques heures. Et regardez quand même, hein, ils n'ont même pas été en sac à cas. Ils sont focus ailleurs, on pourrait se dire. Bah oui, puisque ce territoire-là, il est en Leverkusen. C'est un territoire, c'est des indépendantistes, les mecs. Hein. C'est comme la Corse, ils veulent être libres. Ou comme la Bretagne, ils veulent être seuls. Et donc, du coup, ils n'ont pas d'alliés. Donc, face à eux, au sud, ils ont le 1846. Donc, autant vous dire, ils ne sont même pas sortis. Les mecs, ils ont fait mieux que pas sortir. Hein. Ils n'ont même pas pris les portes pour le moment. Ils se sont dit, des fois qu'on les prenne et que ça les énerve, on va même pas prendre les portes. Donc, au sud. Les portes ne sont même pas prises, le 1846 n'a même pas de zone de fight. Mais au nord, en revanche, les mecs donnent tout, les 55 JP1, ils sont en train de faciliter grandement la vie du 1365, de les aider, même si ce n'est pas des alliés, en fatiguant les adversaires. Regardez, on a une première zone de combat ici qui reste assez modeste, bien évidemment, mais c'est à la hauteur des deux royaumes. Donc une première zone de combat ici, ils ont bien avancé les 55 JP. Regardez, hein, leurs adversaires tentent une percée, un peu plus de fight ici. Ça ne brûle d'aucun des deux côtés, il n'y a pas besoin de graphisme simplifié, là, t'es gentil, il n'y a pas suffisamment de trous. Beaucoup de Scipions en ce moment, comme je vous l'ai dit depuis qu'il est sorti, il est bien là. Donc sur cette zone-là, gros fight, hein. Nouveau point de contact ici aussi, et ici c'est du côté des alliés du 1846 que ça brûle. Et il y a même des rallyes qui continuent de partir. Regardez, un petit rallye en roi du chocolat, Xiang Yu. À mon avis, il va se faire one shot, ils ont de rien pour renforcer. Zenobia en défense face à Xiang Yu. Et ben Zenobia devrait se faire péter la bouche. Elle est avec qui, Zenobia? Est-ce qu'elle est avec Flavius ou avec YSS? Elle est avec YSS. On vient de voir le skin du bateau se déclencher. Et là, ils sont bien pétés. Regarde, ils essayent d'aller renforcer là, mais ils sont un peu loin pour aller renforcer. D'ailleurs, si j'étais à la place d'un des joueurs du 55 JP ou de leur royaume, je me mettrais sur cette mine là. Hein. Comme ça, hop, tu jumps dedans et t'empêches que les mecs puissent jumper. Et c'est sur ce côté là. Hein. C'est sur ce côté là. Qu'il faut protéger. Donc on voit un petit peu d'amateurisme là, il ne les empêche pas suffisamment de renforcer, hein, alors que s'ils venaient là, il pourrait vraiment les saouler de ouf, surtout en bloquant cette mine, il pourrait pas jump et donc il pourrait taper. Voilà, les mecs viennent de comprendre et commencer à agir là. Non, même pas, il va renforcer le rallye. Peut-être qu'ils préfèrent leur faire des morts et les laisser renforcer, hein, mais eux aussi du coup ils en prennent. Pas une bonne stratégie pour avancer vite, hein. Et le dernier point sur ce côté là, c'est ici. Et vraiment, ils se font défoncer, les alliés en Weiji du 1846. Donc en gros, le 1846, hein, va devoir compter que sur lui-même, sur cette zone-là. Et attendez, je vous disais qu'on est en zone alliée ici, mais j'en suis même pas sûr. Est-ce que lui est avec lui? Puisqu'ils sont 1, 2, je suis même pas sûr qu'il soit allié au final sur cette zone-là. Mais remarque, s'ils sortent pas, c'est qu'ils le sont et qu'ils auront le temps d'aller après. Et donc au sud, on a une deuxième zone qui est pas mal. C'est cette zone-là, normalement, où on pourrait avoir du fight. Mais non, ils ont juste pris les portes et ils ont décidé de ne pas affronter le 1846. Hein. Ils ont raison parce que le 1846, c'est un monstre et ils se seraient fait rouler dessus. Rien d'autre pour le moment, il faudra attendre les portes de niveau 5 sur ce KVK pour du gros fight, ce qui n'est pas du tout le cas sur le KVK du 1860. Alors là, on est sur le même timer, hein, 8 jours, 18 heures, 58 minutes et 26 secondes. Et là les amis, c'est pas du tout la même. Le 1860 est en fight contre le 1021. Tout le monde pensait que le 10-21 allait se faire éclater par le 1860, bien évidemment, qui est tout seul sur son côté. Mais là, petit problème dans la matrice,
Petit bug, le 1860 a selon moi fait une petite erreur. Déjà, ils ont envoyé les DN1. Alors, les DN1, c'est la plus grosse alliance hein, du 1860. Ils ont envoyé les DN1 du côté du serveur le plus faible. Hein. Donc, évidemment, hein, contre les LD24, ils sont en train de leur péter la bouche. Littéralement, ils vont les enfermer. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Et au sud, ils ont envoyé leurs autres alliances, hein, les DNT, les DNS, les DNH, bref, les autres ont été au sud. Et regardez, on est quelques heures après l'ouverture des portes. C'est pour ça que je vous dis quasiment dans une situation de direct, hein, sud live. Et regardez sur cette zone-là, eh bien, le 1860 a un risque de se faire enfermer. Regardez quel drapeau brûle. Alors là, pour le moment, ça défend, ça ne brûle plus. On va regarder la zone plus haute hein, où on doit avoir du fight. Ça combat du côté du 60 hein, pour shooter. Ils sont autour du flag. Hein, donc ils devraient réussir à le brûler. Mais regardez, hein, le 1860, c'est le rouge. Hein. Ils sont très loin, très repoussés dans leur territoire. On a 7 zones de contact hein, aussi. Regardons là, on a pas mal de fight. La mobilisation reste tout de même, de mon point de vue, décevante. On est sur un horaire européen pour le 1860 pour beaucoup. Il devrait avoir beaucoup plus de joueurs présents, ce qui n'est pas le cas. Le côté rouge, là, ça brûle du côté du 1860. Ils ont des baleines énormes et pourtant, ça brûle de leur côté et du côté de leurs adversaires. Le 10-21, ça ne brûle pas. Donc vraiment, vraiment là, étonnant ce qui est en train de se passer. Le 1860 est en train de se faire totalement repousser sur ce côté-là. Alors au sud, on a les 1v et encore, c'est même pas, c'est le 10-21 qu'ils affrontent. Hein. C'est même pas leurs plus gros adversaires, puisque leurs plus gros adversaires, ce seront le 10-93. Au sud, on a les 1v. Donc les 1v, leurs adversaires, les 10-21, n'ont pas été les affronter. Ils ont préféré se focus sur un seul côté, ce qu'aurait dû faire le 1860. Ils auraient dû tous aller au sud, hein, c'est en Zarat, hein, et après aller s'occuper en la Havane des autres. Ça aurait été rapide et beaucoup plus efficace. Donc les 1v, ben eux, ils ont pas de fight, hein. Ils sont détente. De l'autre côté, on va se retrouver en bas à droite avec le 71 qui est détente aussi, hein. Ils se sont placés, on a un peu hein, toutes les grosses alliances, elles ont placé aussi des forteresses sur le côté. C'est sorti d'un côté, vous voyez, on a un beau mur de forteresses qui se place là. On a des petites zones de contact ici. Donc forcément, on a du fight sur ce côté-là, puisqu'ils veulent tous les deux réussir à repousser. Mais au cas où, quand même, hein, le bleu ciel n'est pas très confiant, le 71. Il n'est pas très confiant parce qu'il a quand même mis une blinde de forteresse pour se fermer là et s'assurer la porte de niveau 6. Alors une blinde, par rapport à ce qu'on sait du 10-93 et ce qu'il est capable de faire. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais déjà, ils sont en train de faire un beau mur. Et si on continue donc en Dimbroco, on a les Rays qui dominent la zone, hein, pas de souci. Hein. Ils sont détentes, hein, les Rays, hein, sur ce côté-là. Ça, il y a du monde, hein. Ça se fight vraiment, mais je pense qu'il y aura un avantage aux Rays. Regardez encore, là, on a quand même une mobilisation plus importante que ce qu'on a vu de l'autre côté, je trouve. Au niveau des troupes, hein, toujours la même chose. Du Scipion, mais moins que d'habitude. Hein. Du Xianyu, on a même un Ramsès. On a du Guan, on a encore de l'Attila. On est sur du classique. Depuis le temps que je vous montre des vidéos de fight, hein, vous devriez savoir, et d'Open Field, les meilleurs binômes à utiliser. Xianyu, je vous resume. Xianyu, Attila, Scipion. Alors Attila avec Takeda. Saladin, on peut le mettre avec Attila aussi. Ou avec Genghis. Scipion, alors Scipion, on peut le mettre avec plein de binômes. Avec Alexandre, ça marche bien. Guan, Scipion, ça marche bien aussi. Xianyu, avec Nevsky, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez le mettre aussi avec Chandragupta. Bref, il y a plein de binômes hein, qui sont utilisables. Vous prenez ce qu'utilisent les plus gros joueurs. En général, c'est efficace. Donc, gros fight hein, du côté des Rays hein, sur cette zone-là. Ils ont sécurisé ou ils essayent de sécuriser hein, l'hôtel des ténèbres hein, pour pouvoir le récupérer. En tout cas, ça se fight pas mal. Et si on monte, on continue de monter tranquillement. On arrive du côté des rois, des kings, des boss de la forteresse, ceux qui ont inventé le terme Rise of Fortress et qui ont les plus gros leaks du jeu dernièrement d'ailleurs, et puis pas dernièrement depuis un certain temps.
Regardez, alors les Rays hein, sont pas sortis contre eux, forcément. Ils ont été se focus au sud, ils ne peuvent pas faire de côté. Du coup, le 10-93 les a enfermés. Hein. Ils ont longé, ils n'ont pas encore tout fermé. Ils ont même pas pris leur porte. Hein. Au nord, de toute façon, les Rays hein, et sur l'autre côté, en sac à cas, eh bien, ils sont sortis des tentes aussi. Ils sont tout seuls. Ce qui fait qu'au final, le 10-93 a les deux côtés au KLM sans combattre, les mecs. Donc, ils vont être quand même en très grosse forme hein, pour combattre leurs adversaires. Ça va être très lourd, ça va être très compliqué. Mais, c'est encore possible que nous ayons des retournements de situation. Tout va se jouer en terre Broughton, bien évidemment. Tout va se passer en Broughton et de l'autre côté en Chiqui. Mais si le 18-60 se fait enfermer, ça serait un truc de ouf si le 10-21 arrive à les repousser. Hein. Ça voudrait dire qu'ils auraient besoin des 1V au sud hein, pour venir les aider. Sachant que les 1V, à mon avis, ils vont pas se faire enfermer. Les mecs sont quasiment à 2 milliards. C'est tout bonnement énormissime. La puissance des 1V, je suis impatient de les voir se fight. Hein. Mais si on regarde sur ces combats-là, eh bien le 18-60, pour le moment, est en train de perdre sur ce côté-là. Et je vois pas comment ils peuvent retourner la situation, sachant qu'ils sont à leur horaire max, si je dis pas de bêtises, le 1860 au moment de mon record. Hein. Encore une fois, je trouve pas la mobilisation dinguissime, mais je suis pas dans les petits papiers stratégiques. On retourne pour finir sur mon KVK, puisque la prochaine vidéo, on parlera très probablement de ce qui va se passer en stratégie. Et toute la semaine prochaine, hein, vous aurez en fil rouge le fight de ces portes de niveau 6. Qu'est-ce qui va se passer sur mon KVK? Vous le voyez, hein, nous, on va aller sur ce côté-là, sur ces portes de niveau 6-là. Pourquoi celle-là? Tout simplement car de l'autre côté, eh bien, on n'a pas de fight sur les autres portes. C'est sur celle-là qu'on va donc se focus. En face de nous, on va avoir plusieurs royaumes, puisque nous aussi, on sera plusieurs. On va enfin pouvoir se fight et aller chercher cette zone-là. Alors, on va se retrouver ici, si je dis pas de bêtises, la zone Macha. C'est ici que ça va se passer. Ça va être énorme. On va essayer d'aider nos alliés à sortir. Vous le voyez, ils sont totalement enfermés et bloqués à leur porte par les OM, les OH, les ON 28. Donc c'est eux qu'on va essayer d'aider. Ils vont pousser à ce niveau-là, très probablement. Pendant que nous, on va pousser au niveau de cette porte. Et si on est suffisamment balèze, on arrivera à sortir. Sachant que, attention, ça va être chaud. Regardez de l'autre côté, hein, on a déjà les TN et le VC56 hein, qui ont bien avancé. Mais en revanche, regardez les mecs, là, il y a un concours du Rise of Fortress. Hein. Regardez combien de forteresses ont été placées et combien ont été placées autour de la porte de niveau 6 là pour empêcher le 1556 d'avancer. C'est assez hallucinant. Il y en a une, deux. Regardez, je vais essayer de dézoomer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je commence par la droite. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 forteresses. Autant dire une trentaine. C'est n'importe quoi. Eh bien, bien évidemment, le but du 556 aurait été de passer. Mais pourquoi les adversaires, hein, les piches, par exemple, ont fait cette stratégie? Eh bien, c'est simple. Ils ont fait ça pour permettre aux TR qui sont là et aux SW de pouvoir passer tranquillement et de pouvoir venir se fight après. Normalement, si je dis pas de bêtises, ils devraient pouvoir passer lorsque les portes de niveau 6 vont ouvrir. Regardons où ils sont placés. Les portes devraient ouvrir. Donc ils sont là. Les portes 6 devraient. Ils vont passer la 5. Les portes 6 devraient leur permettre après de passer et de venir au fight. En tout cas, les grosses zones de combat vont arriver là. Si je dis pas de bêtises, hein, ils doivent pouvoir passer sur un des côtés. Sinon, quoi qu'il arrive, on les retrouvera au niveau des terres du roi. Le gros combat commence pour nous, les amis, dès lundi. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos?
Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Un excellent week-end à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.